en découvrant la dépolarisation, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est génial parce que cet outil va vraiment en profondeur et permet vraiment de changer les gens et de les faire avancer. On va directement à l'essentiel. Ici, c'est le problème et ce problème-là est résolu. On ne sait pas quel est le problème au départ, mais justement, c'est super intéressant parce que cette méthode aide à trouver le problème essentiel et on ne met pas de nouveau beaucoup de temps à y arriver. La grosse différence maintenant, c'est que j'ai enlevé toute cette charge mentale en faisant 10 fois moins. J'ai 10 fois plus de résultats, mais j'ai l'impression que je ne force plus rien. Et du coup, on est dans une certitude et une confiance en quasi toutes circonstances. Je suis plus moi-même. J'en ai de plus en plus rien à faire d'être jugé. Mon estime de moi est juste comme elle est à un instant T. C'est-à-dire, ouais, je suis ni mieux ni moins bien qu'un autre être humain. Je suis juste moi-même avec une forme donnée. Et cette forme-là, si je capitalise dessus, je sais que j'ai du potentiel. Et je sais que naturellement, je vais être bon par rapport à d'autres qui n'ont pas le même système de valeurs. Je pense que vraiment l'atout de la dépolarisation, enfin pour moi à mon sens, c'est vraiment un outil qui se prête parfaitement à l'accompagnement de la performance. Et je pense que, en tout cas sur le marché français, il n'y a pas mieux. Donc voilà, en tout cas j'encourage tous les gens qui ont envie de se former, en tout cas d'accompagner comme ça sur ces sujets-là, de se tourner vers la dépolarisation.